Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette rencontre virtuelle animée par Solène Lesage qui s'intitule Découvrez Carousel, la méthode qui allie langue et citoyenneté, une collection spécialement conçue pour travailler avec les 16-19 ans. Pour vous présenter notre intervenante d'aujourd'hui, Solène Lesage a enseigné le FLE à l'Alliance française de Manille, puis à l'Institut français de Casablanca. Au gré des formations et des opportunités, elle s'est créée une expertise et devient formatrice de formateurs dans différents domaines comme l'évaluation, l'approche actionnelle et ludique et la coopération culturelle. En tant que coordinatrice pédagogique, elle a mis en œuvre de nombreux projets interculturels sur le slam ou la francophonie. En 2018, Solène s'envole pour la Chine et se spécialise auprès du public enfant en tant que professeure de FLSCO, français langue de scolarisation, au lycée français de Shanghai. Après 12 ans d'expatriation, elle revient en France et elle commence à collaborer avec les éditions Maison des Langues, notamment sur la méthode Carousel. Solène, je t'invite à passer à la diapositive suivante pour que je puisse présenter rapidement les composants de la collection. Donc, cette collection Carousel, elle est composée d'un livre de l'élève, d'un cahier d'exercice et d'un guide pédagogique et aussi de nombreuses ressources que nous verrons par la suite. Les niveaux A1 et A2, livre de l'élève et cahier d'exercice, seront disponibles en mars 2024, très bientôt, et le guide pédagogique en mai 2024. Le niveau B1 sera disponible en mai 2024, que ce soit pour le livre de l'élève. Et le cahier d'exercice et le guide pédagogique sera disponible en juin 2024. Suite à cette présentation, je vous laisse en compagnie de Solène et nous nous retrouvons après pour la session pour un temps d'échange et de questions. Merci beaucoup Estelle pour cette présentation et puis à tout à l'heure. Eh bien, nous y voilà. Donc, bonjour à tous. Je suis ravie de passer ce moment avec vous. Voilà, je crois que vous venez de nombreux pays différents. Donc, je ferai juste un petit coucou spécial à mes collègues du Maroc et des Philippines. Voilà où j'ai travaillé. Bon, je suis très contente, je suis aussi un peu stressée, donc je vous remercie par avance pour votre indulgence parce que voilà, c'est un exercice nouveau pour moi. Mais bon, tout va bien se passer. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que il faut garder votre smartphone à portée de main parce que nous aurons quelques petites activités interactives. Voilà, donc il faudra utiliser le scan pour les QR codes. Voilà, donc gardez votre téléphone près de vous. Allez, c'est parti. Donc, le sommaire, voilà, on va bien évidemment parler de Carousel comme vous l'a présenté Estelle. C'est la nouvelle collection d'édition Maison des Langues. Nous, on verra quels sont les atouts de cette collection. Voilà, quels sont ses points forts, étant donné qu'elle n'a pas de points faibles. Donc, on verra également comment elle est organisée, comment elle est structurée, les outils qui sont mis à votre disposition, qui sont nombreux. Et puis, on verra comment l'utiliser concrètement en cours, quelles sont les astuces pour dynamiser vos cours pour réveiller les adolescents. Voilà, donc c'est un beau programme qui nous attend. Et puis en dernier, Estelle reviendra pour nous parler de tout l'aspect numérique, tout l'environnement numérique qui est mis à votre disposition avec cette méthode. Alors, voilà, on vous a dit, on vous a donné le nom de cette méthode, s'appelle Carousel. Mais Carousel, Carousel. Qu'est-ce que ça vous évoque? Peut-être l'avez-vous déjà rencontré ce mot, peut-être avez-vous une idée de sa définition, de ses définitions, mais moi, ma question, c'est à quoi fait référence le nom de cette méthode? Pourquoi Édition Maison des Langues a choisi le nom de carrousel, hein, un mot un petit peu quand même spécial quand on le regarde, là, son orthographe 2R, hein, et voilà. Donc ça nous met un petit peu au parfum de ce qu'est la langue française, n'est-ce pas? Alors, je vous laisse scanner le QR code. Voilà. Donc je vous laisse 5 petites secondes, puisque après, vous allez être redirigé
sur WooClap et vous allez pouvoir voter. Donc, normalement, vous avez pu scanner le QR code. Si vous n'avez pas de scan, si vous ne savez pas l'utiliser, dans le chat, on vous met le lien. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le lien. Voilà, ça peut aussi vous faciliter les choses. Donc, je vais aller avec vous en partageant mon écran. Je vais aller sur, voilà, la page normalement qui s'affiche devant vous. Donc, la question, à quoi Carrousel fait-il référence, à votre avis? À une confiserie sucrée? À une danse traditionnelle? À un manège de fête foraine ou bien à une suite d'images sur Instagram. Alors, plusieurs définitions sont possibles. Moi, ce que je vous demande, c'est à quoi fait référence, voilà, Édition Maison des Langues pour sa méthode. Alors, je vous laisse cliquer. Allez, je regarde les résultats et un manège de fête foraine. Alors, oui, c'est un manège de fête foraine. C'est vrai, c'est sa première définition, mais il y avait un petit piège, hein, évidemment. Ici, c'est aussi une suite d'images qu'on trouve sur Instagram, en fait. Et c'est ce à quoi fait référence, le nom de la méthode. Voilà. Donc, je vois que c'est bien. Certains ont eu cette idée. Alors, voilà, je vais revenir. Il ne faut pas que je clique n'importe où. Je vais revenir sur notre diaporama. Voilà, donc on faisait bien référence à la suite d'images sur Instagram. Donc, ça nous met un petit peu au parfum de ce que cette méthode va proposer, c'est-à-dire ben, quelque chose de très visuel. Instagram, forcément, l'idée de s'adresser aussi à un public connecté que sont les adolescents. Voilà, je passe au point fort de la collection. Alors là, il y en a certains. Donc déjà, c'est un concept original. Donc un concept original, pourquoi? Parce que c'est voilà, on a affaire à une méthode qui nous propose des sections qui fonctionnent comme un diaporama, justement. Donc, ça va être très, très visuel. Et puis, on va aborder les contenus comme ça progressivement jusqu'à aboutir à des tâches. Et on va être très ancré dans le quotidien, dans les centres d'intérêt des adolescents. Hein. On verra ça tout à l'heure, mais voilà, on essaie d'être au plus près de ce qui les intéresse. On est aussi dans un concept interculturel. Alors, interculturel parce que ben, on découvre vraiment les cultures francophones. On n'est pas dans une méthode enfin, franco-centrée, mais on est vraiment dans la francophonie, donc on aborde la langue dans cette diversité-là. Et puis aussi, on inclut l'apprenant. De par son identité, c'est-à-dire qu'on va partir de ce qu'il est, de sa nationalité, de sa culture, et on va faire le pont comme ça vers ce que vers le la thématique qu'on propose. Donc on va vraiment faire dialoguer les cultures. Et puis on verra, mais on a une double page qui s'appelle Regard culturel et qui ouvre vraiment sur l'international. Alors, autre point fort, hein, c'est les valeurs citoyennes. Donc là, c'est une méthode qui véhicule des valeurs qui touchent les adolescents de nos jours. Je pense qu'ils sont très ancrés dans ces valeurs-là, c'est-à-dire l'éducation pour la paix, les droits de l'homme, l'interculturalité, comme on a dit, et l'écologie. Voilà, ce vont être des valeurs, des thèmes récurrents que porte Carrousel. Alors là, on va entrer un peu plus dans l'aspect linguistique, mais alors on va être dans une démarche, une perspective actionnelle, hein, très, très fleu, et on va avoir bah, ce qu'on appelle une grammaire dite inductive. Alors, vous avez certainement déjà croisé ce mot,
Voilà, c'est certainement une démarche que vous connaissez. Je vous laisse juste garder ce mot en tête parce qu'on y reviendra plus tard. Ensuite, on va avoir un lexique en contexte. Voilà, donc le lexique, bah, évidemment, il n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe. Non, on le fait vivre dans son environnement naturel. Ouais, on va avoir des documents authentiques dans lesquels on va découvrir un vocabulaire de manière, bah, oui, complètement naturel et on va ainsi pouvoir l'étudier dans son vrai contexte. Voilà, et on en reparlera tout à l'heure, hein. Là, on est toujours dans les points forts. Donc, la phonétique, ça c'est aussi un des atouts de Carousel, c'est-à-dire qu'on va vous proposer des activités de phonétique, donc pour étudier les sons de la langue française, sans les travailler de manière ludique. Voilà, travailler le rapport son et orthographe, tout le rythme en fait de la langue, la musicalité. Donc vous aurez à disposition pas mal d'exercices. Pour voilà un autre atout, c'est la médiation. Alors, la médiation, peut-être que ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, en fait, vous en faites très certainement dans vos classes, puisque la médiation, il s'agit de faire par exemple de la traduction, c'est de l'interprétation, d'expliquer à quelqu'un ce qu'on a compris d'un document, c'est de la médiation. Donc en fait, c'est quand on met en relation deux informations, deux individus, voilà, et bien deux langues même, c'est de la médiation. Donc, Carousel propose pléthore d'activités de médiation. Et la différenciation, c'est aussi un des maîtres mots, une des idées voilà, mises en exergue par Carousel, surtout par les évaluations qui sont mises à votre disposition. Donc, vous allez pouvoir évaluer vos apprenants. À la fin d'une unité, à la fin de deux unités, à la fin aussi d'une méthode, de manière diagnostique également. Et on va toujours vous proposer une version normale et une version guidée. C'est-à-dire que vous allez pouvoir vous adapter au rythme d'apprentissage de vos apprenants. Voilà. Donc ça, c'est une manière d'aborder les classes hétérogènes auxquelles on fait tous face. Et puis, le dernier point fort, bah, c'est l'aspect numérique, hein, c'est-à-dire qu'à partir de, vous aurez bien sûr un manuel papier ultra attrayant à votre disposition, mais qui sera complété par une version numérique, de quoi vraiment enrichir et dynamiser vos cours, leur donner du relief, susciter, réveiller vos adolescents. Voilà, donc Estelle nous en parlera tout à l'heure, à la fin. On continue. Alors, bon, on s'intéresse aux adolescents, mais à quoi s'intéressent nos adolescents? Est-ce que vous les connaissez, ces petites bêtes, hein? Vous en avez peut-être autour de vous, peut-être enseignez-vous à des adolescents. Voilà, moi, c'est un public que j'ai pu côtoyer dans mes ateliers SLAM à de nombreuses reprises. Donc, je vous laisse scanner le QR code, ça va vous emmener sur une page encore de WooClap où vous allez pouvoir voilà, faire rentrer plusieurs idées, des thématiques. Donc, donnez-moi voilà, des idées. Bien sûr, on pense je sais pas, on pense aux réseaux sociaux, nouvelles technologies aujourd'hui pour nos ados, mais voilà, ils ont quand même plein d'autres centres d'intérêt. Donc, je vous laisse voilà, me donner des idées. Donc pareil, vous scannez le QR code ou bien vous allez dans le chat, on va vous donner le lien pour aller sur WooClap. Puis ensuite, vous pouvez taper vos idées. Donc je vous laisse une petite minute. Moi, je bascule en même temps que vous sur WooClap pour voir apparaître vos idées. Waouh! Voilà, c'est beau. C'est très beau ce nuage. Fan, donc vous avez plein d'idées. Voilà, ça bouge dans tous les sens. Waouh, c'est super! Donc, les vidéos, la fête, les plaisirs, les sports, les voyages.
les influenceurs, les vêtements, les filles, bah donc les garçons quelque part, le cinéma, les nouvelles technologies, Internet, les copains évidemment, l'environnement, ouais, la fête, l'amitié, voilà, l'amour, voilà, joyeux Saint-Valentin à tous d'ailleurs. Voilà, la mode, les appareils, le monde virtuel, oui, voilà, vous avez plein de super idées. Les relations avec les parents, avec les grands-parents, avec les frères et sœurs également, waouh, c'est super, vous avez plein, plein de bonnes idées. Et oui, leur corps, leur image, ouais, ça aussi, ce sont des thématiques qui, ouais, qui peuvent vraiment susciter leur intérêt. Bah, merci vraiment pour votre participation. Là, vous avez bien enrichi la liste. Alors, c'est la musique, on peut voir grâce au nuage, là, qui met en exergue les mots que vous avez le plus cités. Donc, la musique, le sport, les réseaux sociaux, la mode, l'environnement. Alors, moi, je vais revenir sur notre diaporama. Et voilà. Eh ben, ça correspond globalement aux thématiques qui sont traitées dans le carrousel. C'est-à-dire, voilà, en effet, on y parle des nouvelles technologies, de l'alimentation, du sport, de la musique, de la mode, de l'environnement, des études, de l'avenir professionnel aussi, de la santé, de l'art, du cinéma, et puis tout ce que vous nous avez donné. Donc ça, ce sont les thématiques qu'on va ancrer dans l'actualité. Et qui vont vraiment susciter la curiosité, qu'on va essayer de, voilà, on va essayer de provoquer des débats, et puis voilà, leur intérêt tout simplement. Maintenant, on va regarder la structure du livre de l'élève. Donc, globalement, quand on prend la méthode, qu'est-ce qu'on y trouve? Voilà, on y trouve déjà 6 unités de 18 pages chacune. Bon, après, on va zoomer, hein. Mais les 6 unités, elles ont chacune une thématique que vous venez de nommer dans le nuage, hein. Les thématiques sportives, environnementales, etc. Voilà, on va avoir aussi une double page qui sera à la fin de toutes les 2 unités, une double page pour travailler la phonétique. Alors, elle intervient en double page maintenant. Nous, ce qu'on vous conseille, c'est de ne pas l'amener comme ça, là, en gros pack de manière indigeste, mais vraiment de la disséminer tout au fil de l'unité, des unités. Alors, pour ça, vous aurez un guide pédagogique qui vous donnera toutes les billes pour justement l'employer de manière parcimonieuse. Donc, ce guide pédagogique, je vous en reparlerai plus tard. Voilà, en tout cas, ça vous en êtes informé. Vous y trouverez un précis de grammaire, donc un récapitulatif des objectifs grammaticaux vus. Des tableaux de conjugaison aussi, toujours un bon outil. Les transcriptions des enregistrements, voilà, indispensable. Et les cartes de la francophonie et de la France. Enfin, la carte du monde avec les parties de la francophonie colorées, en fait, hein, et celle de la France, voilà, qui sera toujours un outil précieux, puisqu'on va quand même pas mal voyager dans cette méthode. On va zoomer maintenant, on va feuilleter une unité et puis voilà, on commence, on ouvre notre manuel à l'unité 4 par exemple et voilà, ça nous donne quoi? On trouve, on va d'abord trouver tous les points langue qu'on va étudier, tous les objectifs qu'on a dans cette unité. Donc moi j'aime bien poser le décor, planter le décor. Et donner une direction à mes apprenants. Donc, c'est une page que j'utilise pour leur dire, voilà, on va baigner dans cet univers, donc la thématique, leur proposer la thématique, et ainsi on va arriver à faire ceci, cela. Donc, quels sont les objectifs pour en arriver à des tâches finales? Donc, on les verra un petit peu plus tard, les tâches, mais vous avez toujours une tâche de production orale et une tâche de production écrite.
Voilà, on verra, on en reparlera tout à l'heure. Et là, vous voyez aussi qu'on vous propose une section regard culturel que j'ai mentionné tout à l'heure avec un document bah, vraiment qui ouvre des perspectives socioculturelles, interculturelles et une vidéo. C'est pareil, on en reparlera tout à l'heure. Allez, on ouvre, on tourne la page et on arrive sur la double page qui s'appelle Premier regard. On aura toujours cette double page qui, voilà, qui invite l'apprenant à plonger dans l'univers de la thématique annoncée par un document très, voilà, très visuel, très attrayant, très, bon, très, très actuel aussi. Là, par exemple, vous avez la famille Chédid, donc on ne peut pas être plus dans l'actualité, ils sont toujours à l'actualité. Voilà. Donc, on va partir un petit peu des connaissances de nos apprenants. On va leur poser des questions. Voilà, ça va être une mise en route un peu pour tester leurs connaissances d'après leur vécu. Et puis, on va les amener petit à petit, voilà, aux thèmes et aux objectifs de notre unité. On va globalement avoir des activités d'échange, de compréhension orale et, ou écrite. Et puis, on finira généralement vers des petits échanges de la production orale dans cette première page. Ensuite, nous aurons cette double page qui s'appelle Premier texte. Alors, premier texte, là, on va entrer un peu plus dans la langue. Donc, pareil, on vous met à disposition des documents très, voilà, très dynamiques, très visuels, qui peuvent être écrits, audio. Donc, là, on peut avoir, pour les écrits, on peut avoir des forums, des articles du web. Des discussions aussi sur WhatsApp, enfin, tous les genres de documents écrits que peuvent trouver les apprenants. On peut avoir des audios, donc des échanges téléphoniques, mais aussi des chansons. Je pense que, enfin, par exemple, on a la chanson, la symphonie des éclairs de Zao de Sagazan dans une des unités. Voilà, donc là, Zao de Sagazan, elle vient d'avoir 4 victoires de la musique vendredi dernier. On ne peut pas être plus 2024. Voilà, donc on a vraiment des supports authentiques et ou semi-authentiques, mais qui parlent à nos adolescents. Donc là, on va les amener à observer un peu plus la langue dans son contexte. Et on va encore une fois les amener d'activités de compréhension vers des activités d'échange, d'interaction la plupart du temps. On vous propose énormément d'activités en binôme ou en petits groupes parce que vraiment on tient à garder une dynamique de classe où les modalités sont centrées entre les apprenants. Et où l'enseignant, lui, est un, voilà, il est un guide, il est un facilitateur, mais c'est quand même les apprenants qui donnent la dynamique. Donc ensuite, on arrive sur 3 doubles pages qui s'appellent Observation et entraînement de grammaire. Donc là, bon, on entre un peu plus dans le vif du sujet. La grammaire, elle n'est pas apportée comme ça, comme un bloc, non. Évidemment, on part encore d'activités de mise en route, on a de nouveau des supports déclencheurs dans lesquels on va pouvoir leur faire observer la langue, on va pouvoir les amener vers une réflexion autour voilà, des occurrences, des petites, voilà, des mots qu'ils auront repérés. Et on va leur faire construire une règle. Et puis ensuite, voilà, ça s'appelle ça les amène vers la conceptualisation de cette règle. Vous voyez qu'on part également d'activités de compréhension pour les amener vers une activité de production. Ici, ce qu'on ne voit pas, mais ce qu'on découvrira dans la double page suivante,
C'est qu'on vous propose, pour systématiser, des activités de consolidation, de systématisation. Voilà, je vous y emmène. Là, vous voyez le récapitulatif des règles. Et pour chaque objectif grammatical, vous avez un exercice de systématisation. Alors, cela, d'après mon expérience, vous pouvez les proposer à la maison. Cela, et puis vous pouvez aussi en piocher dans les cahiers d'exercice. Maintenant, ce qu'on vous propose dans le guide pédagogique, c'est aussi des activités de systématisation ludique. Voilà, et donc c'est pour ça que le guide pédagogique est une mine d'or. C'est parce que, bon, déjà pour chaque activité, hein, vous allez avoir on va vous proposer une manière vraiment de faire en classe. On va vous proposer des modalités, vraiment, on va vous expliquer la démarche pas à pas, et puis on va vous donner plein de pistes pour favoriser les interactions entre élèves. Voilà. Et on vous proposera très régulièrement des activités de systématisation ludique, donc pour vraiment réinvestir le point grammatical que vous venez de voir. Donc là, par exemple, on peut être dans, je sais pas, les articles contractés. Ben, on va vous proposer une activité, je sais pas, de mime voilà, avec la démarche vraiment détaillée, où on va voilà, vous donner toutes les billes pour avoir une activité ludique réussie et qui aura permis à vos apprenants de réinvestir le point langue, mais d'une toute autre manière que sur un papier. Voilà. Et puis, notre guide pédagogique, je finis avec le guide pédagogique, il va aussi vous donner des idées d'activités pour aller plus loin dans les activités de production qui vous sont données, puisque après la systématisation, on arrive sur une activité de production, et là, vous aurez des propositions pour développer, je sais pas, ça peut être médiatiser le projet, pour le déployer dans l'environnement qui entoure la classe. Voilà, donc ce guide pédagogique, ça doit être votre référence, votre appui, et puis une source d'idées. Et ben le lexique, voilà, le lexique. Alors là, c'est une double page sur laquelle vous allez trouver sur le côté à gauche toujours quelques activités de systématisation, et aussi vous allez trouver une magnifique carte mentale. Alors la carte mentale, vous en avez certainement déjà entendu parler. Ça sert à quoi? Bon, ça sert à organiser, à structurer, à mémoriser tout le vocabulaire que les apprenants auront vu au fil de l'unité. Maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de cette carte mentale? On peut l'utiliser, la proposer telle quelle aux apprenants, et puis s'en servir pour faire des activités. Alors, par exemple, vous pouvez proposer le pendu, le tabou. Vous pouvez leur proposer aussi de jouer à des devinettes. Vous pouvez également leur proposer de créer des flashcards où ils écriront d'un côté le mot et derrière la définition. Et puis voilà, vous les faites jouer en binôme ou en petit groupe. Vous pouvez aussi leur proposer de créer leur propre glossaire lexical. Voilà, ça peut prendre une autre forme. Et puis, il y a une autre façon de l'aborder, cette carte mentale. Vous pouvez mettre celle-ci de côté et leur proposer de créer la leur. Donc, bon, avec votre appui au départ, mais leur donner juste les sous-titres, les thématiques, les sous-thématiques du coup, comme le caractère, la famille, exprimer ses goûts. Et puis, les inviter à compléter donc cette carte mentale avec tout le vocabulaire qu'ils ont trouvé dans la méthode, peut-être qu'ils connaissaient déjà au préalable. Si vous les mettez en groupe, eh ben, voilà, ils enrichiront énormément cette base lexicale. Et puis, pour finir, vous pourrez les amener à comparer leur carte mentale et puis celle qui est proposée dans le manuel, et ainsi encore la compléter, l'enrichir.
Voilà, donc en tout cas, c'est un outil qui est super sympa, qui est très, voilà, très visuel, très attractif et percutant en fait pour la mémorisation. Et voilà, que j'aime, moi, que j'aime beaucoup personnellement utiliser en classe. Ensuite, vous aurez la double page de regard culturel que j'ai mentionné tout à l'heure rapidement. Alors là, on sort un petit peu de l'aspect grammatical et linguistique. On va plutôt ouvrir sur des compétences interculturelles. Donc là, on va leur apporter des documents qui parlent, voilà, plutôt de culture la plupart du temps. Donc toujours sur la thématique proposée. Et on va utiliser, puiser aussi dans leurs connaissances socioculturelles pour voilà. Là, par exemple, on vous propose tous les festivals, enfin certains festivals de France. Donc c'est super intéressant. On va très souvent partir donc de leurs connaissances pour les amener à faire quelques activités de compréhension. Et ensuite les faire produire ou interagir, voilà, sur cette thématique. Et puis, on a toujours sur cette double page, donc pour chaque unité, on a une vidéo. Et cette vidéo, elle est précieuse parce que elle va vous servir peut-être parfois à réveiller un cours, à le dynamiser ou alors à faire une séance complète. Alors pourquoi? Parce que vous avez deux façons de l'aborder. Soit vous l'intégrez de façon assez courte à une séance, et donc vous la faites visionner une à deux fois, et puis vous utilisez les quelques petites questions qui sont sur cette double page. Voilà. Ou bien vous aurez aussi de quoi en faire une séance complète. Je reviendrai dessus tout à l'heure. Voilà, on va voir un exemple plus tard. En tout cas, voilà, c'est juste pour vous présenter cette double page et on passe à la suivante. On finit sur les tâches, évidemment. Les tâches, on vous en propose deux, toujours. Elle est orale et ensuite écrite. Évidemment, rien ne vous est imposé, hein. Vous pouvez plutôt en choisir une ou plutôt une autre. Tout dépend en fait du temps qui vous est imparti pour vos cours, hein, et dans vos sessions de cours. Donc, on vous propose dans ces tâches une démarche, hein, pour aboutir à un produit. Donc, on est vraiment là pour créer déjà une ambiance. Donc, ce sont des tâches qui vont mettre les apprenants dans un contexte réel. C'est le but dans la perspective actionnelle, hein. On va plonger en dimension 3D et puis on va en profiter pour donc favoriser les échanges, mettre de la dynamique. On va aussi en profiter pour exploiter le potentiel de tous les apprenants. C'est-à-dire que vous aurez certainement observé qu'il y a des apprenants qui sont plus pour la rédaction, d'autres plus pour, je sais pas, les illustrations. Donc là, bon, on les mettra à l'aise en les mettant sur des tâches différentes où ils pourront exploiter vraiment et mettre à profit leur potentiel. Et puis, voilà. Et puis après, on les mettra aussi en groupe pour faire, par exemple, des présentations ou je sais, on a toutes sortes de productions qui vous sont proposées. Ça peut être écrire une chanson, créer une page de magazine sur les habitats, etc. Comme je vous disais, le guide pédagogique vous détaille vraiment la démarche pour la mettre en place. Et vous proposera toujours des pistes pour faire sortir aussi le projet de la classe. Voilà. Donc, pensez toujours au guide pédagogique. Dans ces doubles pages qu'on a vues, en fait, dans une séquence de cours, on peut faire une double page. Et donc, toujours alterner entre des activités de compréhension, des jeux,
des activités de production, des moments d'échange, énormément. Voilà, donc après tout dépend du temps qui vous est imparti, hein. C'est à vous de gérer voilà, le temps que vous pouvez consacrer dans chaque cours. Mais ce que je veux vous dire, c'est que vous n'avez pas besoin d'apporter autre chose. Enfin, c'est vraiment une méthode qui vous apporte toutes les billes pour, voilà, pour avoir des cours dynamiques et enrichissants et stimulants. Voilà. Bah pour résumer, donc les éléments qui vont susciter la motivation chez vos apprenants. Donc, on l'a dit, hein, des thématiques qui sont centrées sur les intérêts des adolescents. Donc, on va vraiment susciter leur curiosité, provoquer des, voilà, des débats, les, voilà, les tenir éveillés. On va aussi utiliser des modalités d'interaction variées, hein. On va alterner entre l'individuel, les binômes, les petits groupes. On a vraiment, on met beaucoup d'interactions dans les activités. On vous propose des activités de systématisation ludique. Les tâches sont vraiment motivantes. On a envie de les faire, on a envie d'y participer, même en tant que prof. Voilà. Et on a aussi des vidéos authentiques. Alors, ces vidéos, voilà, elles sont vraiment ancrées dans l'actualité. Je vais vous en montrer un exemple. Donc, on y va. Je vais vous en montrer un extrait. Le son arrive un petit peu en retard, je crois. Mais bon, ça va vous donner une idée de ce qu'on propose. Partir en ligne, cette grande fête du livre jeunesse et de la lecture. Vous allez pouvoir rencontrer des acteurs du livre, des auteurs, ceux qui illustrent, ceux qui écrivent, ceux qui publient. Ça, vraiment, c'est super sympa, ça peut vous amuser. Et si vous n'aimez pas lire, vous pouvez écouter des enregistrements, vous pouvez aussi parler avec plein de personnes. Il y a un peu d'intimité dans tous les genres. Les enfants, ils sont en liberté, quoi. Et moi aussi, je suis dans un autre esprit. J'ai une sensation de vacances. Voilà, c'était notre vidéo. Donc ça, c'était sur le festival Partir en livre. Donc c'est un festival réel hein, qui a lieu chaque année au mois de juillet dans toutes les grandes villes de France. Donc ici, on vous propose donc, comme je vous disais tout à l'heure, soit vous utilisez cette vidéo une partie de votre cours avec deux visionnages et deux petites questions, voilà, pour apporter un peu de dynamique. Et de perspective, soit vous en faites une séance complète et pour ça on vous met à disposition une fiche apprenant, voilà, qui va vous permettre de la travailler vraiment dans le détail. Donc on va partir toujours d'une activité de mise en route avec de la compréhension globale, puis fine. On n'aura pas forcément des activités de grammaire, mais plutôt lexicales. Donc, on va enrichir la partie lexicale sur la thématique. Et puis, on proposera des activités de production écrite et orale. Voilà, donc c'est extrêmement enrichissant. Puis, ça permet un petit peu de sortir de la méthode. Voilà. Je vous disais qu'on essayait d'exploiter tout le potentiel de nos apprenants. Pour ça, moi, j'aime bien utiliser les intelligences multiples de Gardner. Je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose, mais alors, est-ce qu'on a le temps? On a peut-être quelques minutes. Je vais vous demander d'observer les images, de choisir l'image que vous préférez ou l'image, enfin, ou la couleur que vous préférez. Et puis dans le chat, vous allez y associer l'intelligence voilà, que vous pensez associer à cette illustration. C'est OK? Par exemple, juste pour l'image rouge, je vois une trompette, donc j'imagine qu'on va avoir une intelligence plutôt musicale. Voilà, pour exemple.
Allez, je vous laisse aller sur le chat et puis je vous y retrouve pour regarder vos réponses. Alors, Catherine nous dit rose, autocentré, ou bien vert, environnemental. Oui, la rose visuelle par Simona. Elodie nous dit le rouge plutôt créatif. Le violet, on serait dans la communication. Le vert, l'entraide ou la générosité. Le bleu, plutôt les mathématiques. On serait dans la couleur orange kinesthésique. Vert, Anne-Sophie nous dit plutôt écolo. On est dans le jaune peut-être réflexive. Alors, merci pour toutes ces propositions, pour toutes ces pistes. Je retourne sur le diaporama et je vous annonce la couleur. Voilà les réponses. Alors, donc Gardner a défini 8 profils types d'intelligence. Dans les pédagogies plus traditionnelles, on était beaucoup dans les intelligences verbo-linguistiques et logico-mathématiques pour aborder à peu près tous les savoirs et même les langues. Or, une langue, ça se vit avec le corps, a priori, ça se vit dans son espace, ça se vit par les sens. Et je trouve ça intéressant d'avoir ces 8 profils types en tête parce que ben, ça représente bien ce que Carousel propose en fait, hein. C'est d'exploiter un peu tous ces profils qui vont être plus ou moins dominants chez nos apprenants. Certains vont avoir voilà, un profil plus interpersonnel, c'est-à-dire qu'ils vont aimer vraiment communiquer. D'autres vont avoir une intelligence plus musicale et ils vont vraiment avoir des facilités à acquérir les intonations, les sons de la langue. D'autres vont avoir une intelligence plus corporelle, kinesthésique. Donc là, ils vont avoir vraiment besoin de bouger hein, pour intégrer des faits de langue. Voilà, donc on est un peu dans. C'est pour vous montrer toutes les dimensions que propose la méthode. Voilà, je voulais faire un petit finir sur un petit topo sur la grammaire, parce que bon, bah, la grammaire, c'est quand même voilà, le dur de notre métier. Pour vous, pour me donner une idée, c'est comment d'enseigner la grammaire en classe de FLE? Alors, vous tapez 1 si. C'est vraiment ennuyeux. Vous tapez 2 si bah, vous en faites un moment d'échange, de réflexion collective, ou vous tapez 3 si voilà, c'est un moment où on cravache, on bosse dur. Alors, je vous retrouve sur le chat pour voir un petit peu si vous tapez 1, 2 ou 3. Florent nous dit plutôt 3, ça bosse dur. Anne, Florence, Anne-Sophie, Justine. Céline, Alina, Maria, José, Alina, Ananouchka. Alors, on a du 2, on a beaucoup de 2. Juliette, elle nous dit plutôt 3. Viviane, ben, un peu de 2, un peu de 3. C'est vrai que l'un n'empêche pas l'autre. Bon, eh ben, on n'a pas de 1. Ben, déjà, c'est quand même une bonne nouvelle, hein. Personne ne s'ennuie en faisant de la grammaire. Voilà, c'est super. Alors, d'après vous, Carousel, elle est plutôt dans quelle, elle vous encourage dans quelle direction? Évidemment, on est dans une démarche où on va essayer de mettre les apprenants en, voilà, en réflexion collective, en interaction, en échange autour de la réflexion, hein, sur la grammaire. Ça n'empêche pas de travailler dur, hein. Mais l'ennui, non, 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 on évite, on ne sait pas, on ne sait pas faire. Alors, donc notre grammaire, voilà, on le retrouve, hein, la grammaire dynamique, collective, qui rime avec inductive. Donc là, la grammaire inductive, eh bien, c'est un peu ce qui incarne la perspective actionnelle, c'est-à-dire qu'on va
Voilà, comme je vous disais tout à l'heure, on va mettre la langue dans un contexte naturel, dans un support authentique, super sympa, attractif, et puis qu'on va petit à petit amener l'apprenant à regarder de plus près, à décortiquer, à faire, voilà, avoir des mécanismes dans la langue et puis en faire une règle. Donc tout ça, en général, ça marche bien quand on les met en groupe de façon à ce qu'ils réfléchissent ensemble. Et puis ensuite, eh ben, on va par cette démarche-là, les amener à systématiser et puis ensuite à produire dans un contexte authentique. Voilà, donc ça c'était bon, un petit rappel sur la démarche sur la grammaire. Si vous voulez, il y a le tuto FLE d'Amandine il y a le lien qui va vous être donné dans le chat, qui voilà, vous en dira plus sur la démarche inductive. Voilà, je vous résume Carousel, cette méthode en quelques mots, dans un beau nuage, voilà, comme j'aime. Donc, les mots hein, qui sont plus ressortis certainement de ma présentation, c'est dynamique, c'est visuel, c'est attrayant, c'est frais, c'est actuel, c'est riche, c'est stimulant, voilà. Et puis c'est à Estelle maintenant d'aborder la partie numérique, voilà, qui viendra bien compléter la présentation. Et oui. Merci beaucoup Solène pour ta présentation. Je vais revenir effectivement sur toute la partie numérique et vous donner aussi une information très importante, c'est que Carousel, c'est une édition hybride. Cela signifie qu'en fait, avec chaque livre de l'élève, dans le livre de l'élève, vous avez un code d'accès à l'espace virtuel. Sur l'espace virtuel, vous pourrez retrouver de nombreuses ressources. Bien évidemment, les ressources directement attachées à la méthode, que peuvent être les audios téléchargeables en MP3 pour le livre de l'élève et le cahier d'exercice. Vous retrouverez aussi les vidéos et vous aurez aussi les PDF du guide pédagogique téléchargeable. En plus de ces trois composants, vous retrouverez aussi les livres et les cahiers en version interactive, c'est-à-dire en version feuilletable, mais aussi avec les activités interactives que vous pourrez assigner à vos apprenants. Vous aurez aussi intégré tous les audios et les vidéos pour pouvoir projeter en classe le livre ou le cahier d'exercice. Vous retrouverez aussi les itinéraires numériques. Pour ceux qui ne connaissent pas les itinéraires numériques, en fait, ce sont, comme le nom veut bien l'expliquer, des itinéraires en fait qui vous permettent de pouvoir accéder à toutes les ressources de l'espace virtuel par unité. C'est-à-dire que par unité de Carousel, on a fait une sélection de toutes les ressources que vous pouvez dont vous pouvez avoir besoin. Ça peut être des tutoriels de grammaire, ça peut être notre collection de Lexville, ça peut être aussi les Grammaclip ou des activités interactives. Donc, bien évidemment, vous aurez toutes les vidéos de la méthode, qui sont toutes des vidéos authentiques, qui sont accompagnées de fiches d'exploitation pédagogique, avec une version apprenant et une version enseignant, et qui seront téléchargeables et que vous pourrez photocopier pour vos apprenants. Vous aurez aussi des exercices interactifs d'entraînement au DELF, c'est-à-dire avec un examen modèle du DELF que vous pourrez voilà, donner à vos apprenants en version autocorrective. Ils auront aussi la possibilité de pouvoir s'enregistrer sur les productions orales et pouvoir vous les envoyer à travers la plateforme. Et Solène en a parlé aussi dans sa présentation. Vous avez aussi une batterie d'évaluation. Vous allez avoir donc des évaluations diagnostiques qui sont des évaluations à faire en début d'année scolaire pour essayer de situer le niveau de vos apprenants. Vous aurez aussi des évaluations trimestrielles qui sont des évaluations toutes les deux unités, c'est-à-dire que chaque niveau de diaporama est composé de 6 unités, donc vous aurez une évaluation, donc 3 unités pour faire à la fin de chaque trimestre et aussi une évaluation annuelle, donc qui est une évaluation globale sur l'ensemble de l'ouvrage.
Et vous avez aussi des évaluations par unité qui sont disponibles en deux versions de difficultés différentes, c'est-à-dire en fonction de vos contextes, en fonction aussi des niveaux de vos apprenants. C'est-à-dire que les deux apprenants auront la même évaluation, mais pour certains, avec des questions qui sont un petit peu plus faciles. Mais voilà, on a cherché aussi à ce que les évaluations soient semblables aussi pour faciliter tout votre travail de correction. Donc voilà pour cette nouvelle collection pour les grands adolescents et nous allons passer à une voilà à vos questions. Nous avons une première question qui nous vient de Anne-Sophie Arance, je m'excuse si je ne prononce pas bien le nom de famille, qui est dans quelle mesure et comment la citoyenneté est-elle traitée dans Carrousel? Comme je le disais, on essaie, enfin, les valeurs dans lesquelles s'ancrent aujourd'hui les adolescents sont principalement tournées sur l'environnement, enfin, beaucoup l'écologie. Ils sont très concernés par leurs droits, les droits humains, par l'interculturalité, enfin, voilà, la dimension mondiale des échanges. Donc, on est vraiment, avec Carrousel, inscrit dans cette dynamique. Donc, on les voit en tant que citoyens et on les invite à partager, à débattre, à donner leurs opinions sur ces différents thèmes. Voilà comment Carrousel exploite oui, l'aspect citoyen de nos apprenants. Et pour ajouter aussi, pour compléter ce qu'expliquait Solène, il y a eu aussi un travail de la part à la fois de la maison d'édition et aussi des auteurs, autrices de la méthode, de pouvoir aussi proposer dans chaque activité, de pouvoir les mettre un petit peu en relation avec les objectifs de développement durable qui font partie de l'agenda 2030 et qui sont développés par l'ONU. Donc bon, voilà, de pouvoir essayer de travailler dans les énoncés, dans les activités, dans les textes, chacun de ces objectifs qui ont été définis par l'ONU. Une deuxième question qui rejoint aussi un petit peu la première, qui nous vient de Laure Hérault, qui est comment allier la langue et la citoyenneté avec Carrousel? Oui, ça rejoint aussi la première partie. Donc, en effet, on a utilisé des thématiques, très très ancrées dans l'actualité, que je pense, concernent la plupart de nos adolescents. Et c'est ainsi que, c'est ce qu'on disait, en explorant la langue dans un contexte qui leur tient à cœur. On va pouvoir les faire venir vers l'étude de la langue et puis des productions aussi dans l'univers qui les attire, qui les concerne. Merci. Et une dernière question, mais peut-être parce qu'il s'agit d'une personne qui n'était peut-être pas là au début de notre rencontre, pourquoi Carrousel comme titre? Ah bah oui, c'était notre première activité. Alors, pourquoi Carrousel? On avait deux... Enfin, j'avais proposé un petit QCM. On avait l'alternative, soit on pense à un manège, c'est le mot employé pour les manèges de fêtes foraines qu'on trouve dans les grandes villes, ou bien aussi c'est un mot employé pour parler du diaporama d'images dans Instagram. Alors là, en l'occurrence, Carrousel d'édition Maison des Langues fait référence à ce carrousel d'images, ce diaporama d'images qu'on trouve dans Instagram. Voilà, parce que les adolescents, on leur propose une dynamique assez visuelle et enfin très visuelle même. Et puis on les sait connectés. Donc c'est un terme qui leur parle. Et on avait aussi un fonctionnement par double page.
qui défile, c'est-à-dire une première double page de découverte où on découvre la thématique très visuelle. Ensuite, on avait une double page de premier texte où on commence à rentrer dans la thématique avec des textes assez simples et peut-être découvrir aussi certains éléments de lexique. En fait, il y a toute une progression dans l'unité qui fonctionne un peu comme un carrousel d'Instagram. Et c'est de là que nous est venue l'idée du nom de cette collection. On a une autre question aussi, peut-être à laquelle tu me diras, Solène, si tu souhaites que j'y réponde, qui est, peut-on utiliser cette méthode pour les jeunes 20-22 ans qui apprennent le français à l'université? Ah ben, je veux bien que tu y répondes, oui. Alors, je vais répondre dans le sens où, effectivement, il y a beaucoup de thématiques dans Carousel qui, bien évidemment, intéressent les grands adolescents, mais il y a aussi beaucoup de thématiques qui sont du point de vue des adultes aussi. C'est-à-dire qu'on présente des adultes, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que c'est des grands adolescents qu'on va forcément partir d'un prisme ou d'une réalité adolescente. Donc, il y a beaucoup d'articles avec des exemples d'étudiants. Quand on parle de profession, bien évidemment, c'est souvent mélangé sur ce qu'aimeraient faire les étudiants. Ça peut être des gens qui nous parlent de leur profession. Donc, dans Carousel, on ne va pas forcément systématiquement retrouver un article ou une présentation ou la présentation d'une personnalité et qui est forcément l'âge des grands adolescents. Donc, c'est une méthode qui peut effectivement être utilisée dans les universités et ils n'auront pas forcément l'impression d'être en décalage. Nous avons une autre question donc, qui nous vient de. Voilà, donc je la lis. Bonjour, donc je suis enseignant aux Pays-Bas où Carousel ne sera pas distribué, de même que Prêt-à-parler. Cela dit, je dispose d'un accès à la totalité de la bibliothèque espace virtuel. Est-ce que les méthodes qui ne sont pas distribuées ici seront accessibles? Oui, effectivement, à partir du moment où vous avez accès à la bibliothèque complète, vous pourrez avoir accès aux livres numériques de Carousel. Et une dernière question à laquelle je vais répondre, si ça ne te dérange pas, Solène. C'est une préparation au DELF scolaire ou une préparation au DELF tout public? C'est une préparation au DELF tout public. Et surtout, on s'est appuyé sur des thématiques qu'il pourrait avoir retrouvées dans la méthode. Et je crois que nous avons répondu à toutes les questions et nous approchons de l'heure finale de notre rencontre virtuelle. Je vous dis un très grand merci à tous et à toutes pour avoir été présents pour cette présentation. Un très grand merci à Solène pour s'être rendue disponible pour la présentation de Carousel.